Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beastswarm Simulator. Donc comme vous le savez, voilà, c'est vraiment mon jeu préféré sur Roblox, c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo. Donc j'ai farmé les quêtes en votre absence. Donc avant de commencer la vidéo, entre la vidéo 4 et celle-ci, il me reste encore 3 araignées à tuer parce que j'ai un petit peu zappé et surtout bah 1500 jetons à avoir. Mais là, on va prendre la quête du Brown Bear, car il va nous permettre de gagner notre gelée royale, vous le savez bien. Hein. Alors, 15 000 d'enchants de pissenlit, mais ça va aller hyper vite, mec. Par contre, j'ai rappuyé, je me suis foiré. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Alors, ah, eux, ils ont respawn, on va les tuer vite fait, bien fait, ça va nous faire quelques jetons en plus. Allez, 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 mourez, mourez. Merci bien, monsieur, madame. Bonjour, au revoir. Hop! Alors, ce qu'on va faire également. Attendez, je vais check. Ah, attendez, il y a un jeton de bouffe. On prend. Alors, on va check aussi les badges. Ah, nickel. Là, j'en ai 5. Ouais, on a débloqué pas mal de badges, les copains. Là, youpi! On va pouvoir peut-être avoir une abeille. Oh yes! 67 tickets, les amis. Alors, je vais débloquer la zone à 20 aujourd'hui. Donc. On va s'acheter une abeille et comme vous voyez, on a 1 780 000 oneilles. Donc, on va s'acheter notre maxi sac à dos après, on va pas se mentir. Et on va chercher nos différentes quêtes qui traînent à droite et à gauche, histoire de pouvoir après voir ce qu'on a à farmer quoi, au niveau des quêtes. Tac. Trop cher, c'est pas ça que je veux et c'est ça que je veux pour 50 tickets les amis. Alors, eux pour quitter la boutique et je me suis foiré, j'ai fait espace. Alors, on va aller à notre ruche. Comme ça, je vais vendre ce que j'ai. Et on va poser notre œuf. Donc, on aura 18 abeilles de poser. Donc, ah, une abeille légendaire. On l'a pas encore celle-là. Yes, les gens, on a 3 abeilles légendaires. Oh, c'est pas mal, les 3 différentes. Bon, en vrai, on a quand même pas mal de rares, mais on a quand même des épiques, donc ça, je suis plutôt contente. On a celle-ci en double, et c'est tout, je crois, d'après ce que je peux voir là. Donc, en vrai, on n'a que des abeilles différentes, donc on est plutôt bien. Bon, j'aurais préféré avoir plus de légendaires, vous voyez, mais bon, au moins, on en a déjà 3, écoutez. Il en manque 2 pour faire les pluies de miel, pardon. Donc, on va donner la quête à lui et ouais, il nous a rapporté du miel, donc c'est pas ouf ouf, mais écoutez. 150 000 dans le champ de bleu, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mec. Du coup, on va aller voir la maman Bire là-bas, là. Coucou madame, on arrive, bonjour madame. En plus, j'espère que vous n'avez pas oublié hein, le week-end dernier, c'est la fête des mamans. Hein. Pas déconner avec ça. Hein. On a une gelée royale! Wouhou! Alors, allez, 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 allez! Alors, du coup, il faut une abeille niveau 7, 250 friandises et 25 ananas. Ah, est-ce qu'on a les 25 ananas? Ouais, on a 77 de bouffe. Bon, écoutez, il va falloir farmer des jetons de bouffe. Ok, moi bien, ce mec. Alors, on va monter. En même temps, on va avoir du mal à descendre. Il faut qu'on aille voir le polar et le science beer. Alors, on va aller voir le science beer. Écoutez, comme ça, on va chercher en même temps notre sac à dos. Alors, on va tuer en même temps les bignous qui traînent. Hop. Coucou les compagnies. Comment ça va? Salut, salut. Et hop. Des petits fragments de mobs. Ça fait plaisir. Allez, on y va. On y retourne. Donc, on va aller voir le science beer. Et on va chercher notre sac à dos. Sac à dos. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. Hop. Ouais, trop cool. Alors là, en vrai, j'aimerais à terme m'acheter tous ces petits trucs-là. 40 000 pour la pelle. 125 000 pour ça. Ah non, mais ça, c'est les outils, on a déjà le max. Donc là, vous voyez, j'aimerais acheter la casquette. Et acheter ce genre de petits trucs. Parce que là, vous voyez, regarde, 15 000 en capacité. Colorless bee attack. Ça colore l'attaque des abeilles? Ok, donc player qui a un peu plus de move. Bombe 15 capacité et bombe pollen. Ah ouais, je vois. Du coup,
Ah, il va falloir qu'on achète ce genre de petites choses. Donc là, vous voyez, on n'a pas assez de graines de tournesol et de ananas. Donc c'est pas terrible. Et là, au niveau des bottes, bah voilà, il va nous falloir quand même du pognon. Donc j'aimerais avoir ça. Et on va. Oh, est-ce qu'on s'achète de la protection? Allez, hop, on fabrique. Et là, on n'a plus d'argent. Bon, voilà, on a pris quelques trucs. Ils vont nous rajouter des effets. Vous voyez, on voit là, sur mon bras. J'ai une protection ici, vous voyez. Et surtout, on a notre petite bombe, notre sac à dos. Oh là là, on a une ruche sur notre dos. Mais c'est trop bien, les gens! On va progresser de ouf dans cet épisode, je vous le dis, moi. On n'a pas le temps de niaiser ici, hein. Alors. Salut, toi! Comment tu vas? Moi bien? Si, si, la famille. Alors, Ah, c'est ça? Bah, salut. Ah non! Il a rangé la quête, mais il faut que je leur accepte une note. J'allais dire, mince, il n'y a pas de truc à mis. 12 abeilles différentes, on a donc 120 000 pollens et 4 araignées. Donc ça tombe bien que j'ai pas farm tous les araignées ici parce qu'il va falloir que j'en tue d'autres. Bon, ma foi, mon oubli aurait été bien. Hop, alors, on y va. Et il nous manque le polar bear. Donc c'est parti. À mon avis, il va falloir retuer le. Attendez, l'abeille, elle réapparaît quand? Dans 10 minutes. Ok. Alors, je vais voir. Je sais pas si je dois retuer ou pas le loup. Parce que ça fait un petit moment que j'ai tué, mais je sais plus quand que j'ai tué mes derniers scorpions. Hop! Ah non, il réapparaît pas tout de suite. Nickel! On va aller voir le polar bear pour voir notre prochaine quête. Et voir un peu tout ce qu'on a à faire. Et je sais pas combien coûte ma prochaine abeille au niveau des honey. Parce que là, on en est à 18. Il nous en manque encore 2 dans cet épisode pour pouvoir aller à la zone à 20 qui est là-bas. Tout au bout, vous voyez? Là, avec la fourmi. Hop! Alors, qu'est-ce qu'il va me donner en échange? Ouais, ok, c'est pas mal. Donc, 300 000 et il faut tuer 12 mantes. Ok. Alors, les 12 mantes, ça va prendre du temps, mais faisable. Donc là, c'est parti. On va tuer déjà 2 mantes ensemble, là, les 2 premières. Et on va voir combien de temps le mettre à respawn parce que je me souviens plus, je vais pas vous mentir. C'est pas le genre de truc que je retiens de folie, hein. Hop, on va pas dire que ce soit hyper, hyper important. Laisse-moi tranquille! Allez, 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 allez! Oust, meurs! Yes! Donc il va falloir que je farme dans ce champ, que je farme du white pollen. Bah écoutez, je vais farm ça. Je vais farm ça également. Ah, je farm le d'enchant de pissenlit et ça. Comme ça, entre deux, je vous reprendrai. Voir où j'en suis dans l'avancée par rapport à l'épisode. Bah écoutez, voilà. Je vais vous laisser là pour l'instant. On se fait une petite ellipse le temps que je farme dans les différents champs et que je tue quelques mobs entre deux. Voilà. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai farmé un petit peu, mais il faut encore que j'attende un peu pour que les mantres respawn, les araignées idem. Et j'ai farmé tout simplement la quête du Blackburn et du Bronze. Donc, on va reprendre les prochaines quêtes. Bon, là, lui, on va tout simplement lui rendre sa quête. Et on va obtenir notre petite gelée. Et là, il va falloir attendre 4 heures pour avoir une quête. Donc, bah écoutez, ce sera pas pour aujourd'hui, à mon avis. Mais voilà, ce n'est point grave. Donc, on va aller voir le Blackburn pour voir un peu ce qu'il nous donne. Et je pense que clairement, on va faire appel à nos abeilles. Les prochaines abeilles que l'on peut avoir. Hop, nickel. Donc, je sais pas combien on en est de friandises d'ailleurs. Il faudrait que j'y regarde. Alors, on va passer vite fait à notre petit stand et je vais acheter une abeille avant. Avant d'aller voir le Blackbird. Alors, hop. Ouais, nos œufs coûtent pas très très cher pour l'instant, ça va. On n'est pas trop en PLS, je vais vous dire. Alors, du coup, hop, on pose notre basique. Tac, on met une petite gelée au-dessus et on va avoir une abeille rare bornée. Je crois qu'on en a déjà une. Ouais. Bon. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des friandises pour la faire level up. Et on va tout donner à celle-là.
Comme ça, on a bien avancé dans la quête des friandises. Il nous en manque, allez, 110 encore. C'est ça. 110. Donc, on va donner les 25 ananas également. Attends, on va donner une légendaire. Ah, faut faire que je fasse une par une. Ils sont sérieux. Bah, écoutez, j'en donnais 50. C'est pas grave. Du coup, ça, c'est fait. Au niveau de la quête. Là, je vais encore tuer une araignée pour finir celle-là. Donc, ça doit être le pandabir. Il reste plus que le black. Allez voir, le black bear. Et au niveau des tickets, on en a 26. Et des badges, est-ce qu'on doit en accepter? Ouais, on a quelques badges à prendre. Hop. Nickel. Bah, écoutez, on en est à 46 tickets. Donc, ça tombe, on aura encore une abeille qu'on pourra acheter avec les tickets. On verra bien, écoutez, hein. On avance, en tout cas, ça progresse pas mal. Je suis plutôt satisfaite. Tac, beau travail, nana. 100 000, ok. Et 80 000 dans le champ de nana et 80 000 red pollen. Ok. Du coup, combien l'œuf déjà, le prochain? Donc, on a nos abeilles. On a 20 abeilles, je pense maintenant. Attendez. Alors, on pose notre œuf. Yes. On va mettre notre petite gelée dessus. Et on obtient une légendaire Mimi. Oh, trop cool! Deux légendaires, les gens! Dans le même épisode! Mais c'est trop beau, c'est de toute beauté, les amis! Ah, je suis plutôt satisfaite en vrai. Je suis grave contente. On a déjà 4 légendaires. Du coup, il nous en manque encore une pour pouvoir demander invoquer les tempêtes de miel, là, vous savez. Ah, c'est pas mal. Alors, par contre, je vais vite fait vendre ce que j'ai dans mon sac à dos. Et je vous reprends après pour la zone à 20. Et re. Alors, j'ai vendu tout ça. Donc, c'est parti pour la zone à 20. Alors, la zone à 20, en gros, ça se passe avec des tickets et on peut acheter, en gros, acheter l'accès, en gros, l'endroit où il y a les fourmis, là, à l'intérieur. Utiliser les distributeurs de passe fourmis gratuits. Alors, on va mettre E. Donc, voilà, là, on peut y aller, en gros, où on achète avec des tickets. Donc, il faut 10 tickets pour acheter un passe, vous voyez. Donc, là, on a le panneau avec les records que les gens ont fait, tout ça. Donc là, sans le parachute, j'aurais pas accès, je crois. Ah, quoi qu'attendez. La liste des infos, en gros, ça vous explique comment ça passe. Bienvenue dans le défi des fourmis. Utilise un passe fourmi pour entrer dans le champ. Récolte du pollen et du miel pour remplir la jauge de ta fourmilière. Quand la jauge sera pleine, les fourmis apparaîtront. Chaque fourmi que tu élimines te rapporte un point. Élimine le plus de fourmis possible en 5 minutes pour augmenter ta récompense. Les récompenses incluent des gelées royales, des friandises spéciales, du miel et des amulettes fourmis. Les amulettes sont des objets spéciaux qui offrent divers boosts. Plus ton score sera élevé, meilleur sera ton amulette fourmi. 0 à 24 points, amulette fourmi en bronze. 25 à 49, donc fourmis en argent. 50 à 99 en or. 100 à 149 en diamant. Et 150 et plus, la fourmi suprême. Chaque amulette a une valeur générée aléatoire, mais cette dernière a tendance à s'améliorer avec ton score. Bonne chance. Ils sont sympas. Donc ouais, je pense qu'il faut le truc pour voler dans la zone à 25 pour pouvoir acheter le ticket qui est là-haut. Donc c'est pas très grave. Donc c'est parti, on y va. On entre dans les entrailles de ce truc. Hop, hop. Alors là, il faut ramasser pour remplir la jauge qui est sur le côté, vous voyez là? Et en même temps, bah, il faut tuer les fourmis qui sont là, quoi, bien évidemment. Hop. Allez, 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 allez. Mourez, 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 mourez. Hop. Donc, faut remplir la jauge pour avoir la prochaine vague de fourmis, en gros. Allez, allez, hello. Allez, c'est parti. Au run suivant. Hop, hop. Allez, les copines. Tuez-moi tout ça. Allez! Faut que je fasse gaffe, faut que je fasse gaffe, faut qu'on fasse le plus de vagues possible, ça serait cool. Et allez, 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 tuez-les! Bon sang, allez! Allez, 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 allez! Voilà, donc c'est parti, faut qu'on remplisse 6 000. Allez, 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 oh, hello, hello! Alors, par contre, je pense que je vais faire ça à chaque épisode, à chaque début d'épisode, je vais le faire une fois, la fourmilière. Donc, dites-moi si vous voulez voir ce petit combat pour qu'on puisse voir en gros mon évolution dans la fourmilière. Est-ce que je vais réussir à faire plus de rounds?
etc. pour monter mon pass, ou est-ce que je vous skip et je vous montre juste le final, quoi. Les récompenses. Hop. C'est vrai que ça va prendre du temps sur l'épisode au final, parce que ça dure quand même 5 minutes, la fourmilière. Allez, 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 mourez, 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 mourez. Bon sang. Vous avez vu qu'elles n'ont pas toujours le même nombre d'HP. Alors, il faut qu'on remplisse 8000 à la jauge. Allez. Nice. Allez, Coco. Ah, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Allez, allez. Rempli. 4000, 5, 5, ok. 5000. C'est parti. Allez, 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 allez. Encore, ça va, on remplit assez vite, mais on n'est pas encore assez rapide. 3 minutes 12, il nous reste. Ah là là, j'espère qu'on va réussir à faire pas mal de rounds pour avoir une bonne amulette en vrai. Allez, l'eau. Yes! Round 3. Alors, c'est parti. On a des fourmis un peu plus OP, je crois. Allez! Allez, 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 allez. Meurs. Allez, tuez-moi la dernière, là. 12 000. Allez, c'est parti. 12 000 pollens. On va y arriver. Ça va aller assez vite. Heureusement que j'ai amélioré un peu mes outils et tout. On n'a pas la meilleure vitesse, hein. Je crois que je vais un peu plus vite sur mon autre compte. Donc, il faut encore qu'on se booste un peu plus. Mais on va y arriver. Ça va le faire. Allez, Coco. Voilà, on a la fourmi géante. Alors, direct, ils s'attaquent à la fourmi géante, quoi. Direct. Elles sont déter, les abeilles, là. Alors, on va sauter autour d'elle. Allez, allez, mourez, 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 mourez. Elle se rapproche dangereusement de moi. J'aime pas ça. On va sauter autour d'elle. Allez, meurs. Meurs, petite peste. Yes, elle est morte. Allez, go. 16 000 pollens qu'il nous faut pour aller au round suivant. Il reste 1 minute 54. On va pas pouvoir faire beaucoup de rounds. Allez. Allez, 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 allez. On est au round 5 quand même, hein, les gens. C'est. Y a pire. Y a pire, y a pire. Allez! Oh, dépêche, dépêche de te remplir. Bon sang, la jauge. Allez! On va pas assez vite, ça m'énerve. Allez! 10 000. 11 000. Allez, 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 allez! On est à 12 000. Allez, allez! C'est parti, c'est parti. Remplis-toi la jauge. On veut des ennemis à combattre, nous. Allez, 14 000. Allez, allez. 15 000. C'est parti. Et ça y est, round suivant. On a des abeilles. Des abeilles. Des fourmis rouges, pardon. Vous voyez qu'elles font du feu et tout. Je trouve ça excellent. Et du coup, faut pas marcher dans les flammes, bien évidemment. Sinon, bah, elles nous crament. Clairement. Allez, tuez-moi les dernières fourmis, là. Donc, 20 000 qu'il faut qu'on remplisse au niveau de la jauge. C'est parti. 20 000, il nous reste 40 secondes. Est-ce qu'on va réussir à aller au round 7 et à tuer les dernières fourmis? On va voir. Allez, l'eau. Il faut que j'arrive à booster ma récolte avec ma cuillère. Il faudrait que j'arrive à booster. Il faudrait qu'on regarde au niveau de tous les petits trucs qu'on a dans notre sac à dos. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de nous booster un peu plus. Je vous avoue que je connais le jeu, vous voyez, mais je suis pas experte dans le jeu non plus, quoi. Parce que j'aimerais bien faire un score plus haut, quoi. Allez, 16 secondes. Oh non, on a 14 000, 15 000. Ouais, 15 000, ça y est, c'est parti, 15 000. Allez, s'il vous plaît. Oh non, on va pas aller au round 7. Allez. 18 000. Ah, voilà, dommage. Eh, on a eu deux gelées royales, les amis. Deux gelées royales et on a eu notre amulette. Yes! Eh, je suis satisfaite, c'est pas mal. Par contre, on a pas. Elle est où notre truc totem là? Où est-ce qu'on le voit le truc totem? Alors attendez, là-dedans, j'ai rien à récupérer. Si là. Ah, on a 50 tickets. Je sais pas où aller mon amulette. Ah, elle s'est. Ah, d'accord, c'est bon, elle s'est mise directement. Vous voyez, j'ai ma fourmi là. Ah, c'est cool. Bon, du coup, vous voyez un peu le principe de cette zone à 20 qui vous permet vraiment de gagner des gelées royales, quoi. Alors, utilisez le distributeur de miel. En gros, ça vous donne du miel toutes les heures. Et celui qui est dans la zone d'ananas là-haut, il vous donne des friandises toutes les heures. Donc, c'est plutôt cool. Donc, de ce fait, on en est où?
Alors, on va aller voir le panda bière parce qu'entre deux, j'ai. Avant de vous reprendre en record, j'ai été tué la dernière araignée qu'il fallait que je tue. Donc, on va y aller, histoire de voir la prochaine quête qu'il va nous donner. Et bah, il va falloir que j'arrive à avoir une abeille niveau 7 et les 110 friandises qui me manqueraient. Ah, on va tuer vite fait cela. Ça va aller assez vite. Nos abeilles commencent à être de mieux en mieux en vrai. Ça commence vraiment à être au top, quoi, on va dire. Allez, on y va. Donc, c'est parti. On va aller voir le panda bear. Donc, vous voyez, voilà, je vais essayer de faire ça régulièrement à chaque vidéo. Le fourmilière, histoire de pouvoir gagner ce qu'il faut. Ah, on a eu un œuf en argent. Nice. Alors, il faut éliminer un loup-garou. Alors là, il va falloir que j'attende parce que je l'ai tué il y a peu de temps. Là, il va falloir attendre 17 minutes pour avoir l'araignée. Donc, c'est pas gagné, on va dire. Et le loup-garou, on va aller voir combien de temps il faut que j'attende. Parce que ça va déterminer si on va l'utiliser dans cette vidéo. Si on va le faire dans cette vidéo ou pas. J'aimerais. Mais à voir. Alors. Ah, il y a une. Il en a après moi. Oh, nice, je peux le buter maintenant. Nice. Ah, bah écoutez, on va le buter. Allez, meurs. Meurs. Dès qu'on aura tué ça, il y aura l'abeille cruelle à tuer. Eh, on est bon en vrai là. Alors, c'est parti. Je tue l'abeille cruelle et je vous reprends après, les copains. Alors, les amis, on se retrouve. Il reste 500 HP à l'abeille cruelle. Elle est quasi morte. Ça y est, on l'a eu. Donc, nickel. On a obtenu pas mal d'oneilles et on a obtenu 2 dards. Bah écoutez, c'est plutôt cool parce que j'étais à 11 et je suis passée à 13. Je suis plutôt satisfaite, on va pas se mentir. Donc, du coup, on a un œuf d'argent à poser et on va y acheter un œuf avec le ticket. Donc, on est plutôt bien dans cet épisode. Écoutez, on va s'ajouter 2 abeilles en plus. Donc, on aura 22 abeilles au total. Donc, je pense qu'il y a moyen au prochain épisode de débloquer la zone à 25. Donc, c'est plutôt cool. J'étais pas obligée de cliquer et de maintenir le clic que je maintiens le clic et que, alors que ça sert à que dalle là pour le moment. Alors, du coup. Ah, j'ai fait le mauvais sens. Là. Voilà. Donc, on prend ça. On sort de là. Et on va aller à notre petite ruche. Alors, c'est parti. Comme ça. On pose notre œuf doré. Et on a une épique rouge. Bah, écoutez, allez. Elle est bien, on va la garder. J'en ai pas encore une dessus comme ça. Et on a eu une abeille commandante épique. Je sais pas ce que ça veut dire. J'en ai jamais eu une comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas, on verra. En attendant, j'ai envie de tenter, vu qu'on a des gelées royales, d'en mettre une sur celle qu'on a en double qui est là. Oh, on a une friponne, on n'en a pas encore une. Du coup, là. Oh, si, celle-ci, on l'a 2 fois. Et celle-ci. On va plutôt mettre sur. Ah, celle-là, c'est l'une des premières qu'on a eues. Allez, on l'a. Hop, une intrépide. Donc, on en a déjà une là. Donc, dommage, on en a toujours 2 qu'on a en double. 3 même avec celle-ci. Ah, dommage. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faut qu'on aille voir le panda bear. Car on avait tué le loup-garou. Il faut que je tue. Que je tue, que je farme. Du pollen dans le champ d'ananas. Il faut que je tue encore une menthe. Que je tue une dernière araignée. Que je passe niveau 7. Et que j'utilise des friandises. Donc des friandises, j'en ai 4. Il m'en manque 110. On en est loin. On a quasi eu 1000 jetons de miel. Écoutez, on va tuer ça vite fait là. Allez, mourez. Vous allez me donner mes jetons de miel comme ça. On sera plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner comme quête, lui, là-haut? Notre petit ami, le panda. Alors, salut, copain! Alors, on se fait une bouffe? Hop, on a une gelée royale encore, écoutez. Alors, faut qu'on élimine 15 scorpions, donc ça sera pas fait dans cet épisode. Mais je vais en tuer quelques-uns en votre absence. Du coup, 80 pollens dans le champ d'ananas. Que j'élimine encore une menthe, une araignée pour pouvoir avancer dans les quêtes. Donc je vais faire ça sans vous et je vous reprends dès que j'ai fait tout cela. Mais avant, on va utiliser la gelée royale qu'on a obtenue là. Sur elle.
Et on a eu une abeille stylée que l'on a déjà ici. Bon, bah tant pis, écoutez. Donc je ferme les mobs qu'il faut que je tue et le pollen et je vous reprends après. Alors, on se retrouve les amis. Donc tout simplement, j'ai terminé les quêtes. Enfin, celles que je pouvais terminer en l'occurrence. Donc on va juste prendre les quêtes. Nickel, on a encore eu 10 de bouffe en plus. Donc j'ai tué les deux scorpions que je pouvais tuer, mais là ça va prendre masse temps l'histoire des scorpions. On va aller voir le Blackbird, donc on va passer par là pour pouvoir voir la prochaine quête. Cette zone-là, on finira par la débloquer vraiment. Tac, non, je m'en fiche des 16 abeilles. Ah, quoique, attendez, le canon. Il part par où le canon? Attendez, attendez, attendez. Ah, il va peut-être nous emmener sur le toit là-bas. Ah, attendez, on va le tenter. On va tenter de prendre le canon, les gens, attendez. Hop. Ah ouais, avec mon parachute, je pourrais largement aller là-haut pour récupérer la gelée royale. Ok. Ok. Bah écoutez, au moins je tente, hein, vous voyez, parce que, enfin, voilà, il faut qu'on arrive à avoir les dernières gelées royales qui traînent à droite et à gauche. Ça peut toujours être sympa. Hop, allez, on va aller voir le Blackbird. Alors, le Blackbird, ok. La prochaine quête du Blackbird. 100 000 pollen dans le champ de fleurs, de fleurs et de champignons. Je sais plus c'est. Attends, des. Je sais plus où on a accès. Je sais qu'on a une abeille quelque part que l'on peut avoir grâce aux boules de gomme, d'accord? Mais je sais plus combien cette boule de gomme, c'est 500. Et je me demande où elle est, je me souviens plus. Et je sais que ça, je voulais pas encore montrer. Ah, elle est là-haut. Voilà. Je crois que c'est elle, là. Il me semble que c'est elle, là-haut. Mais est-ce qu'on peut... Ah. Peut-être qu'on va pouvoir grimper. Attendez. Ah, 2500 qu'il nous faut. Vous voyez, c'est pas gagné. Et on pêche le ticket. Nice. On a réussi. Donc vous voyez, ça va être énorme la quantité qu'il faut. Mais du coup, ce qui est bien avec cette boule de gomme là, c'est que... Voilà, ça, vous pouvez en poser dans les champs. Et voilà, vous ramassez. C'est utilisable en gros. Vous allez avoir des quêtes plus tard, vous allez devoir l'utiliser. Je trouve ça fun, je trouve ça marrant. Bon, du coup... Hello, elle traîne en longueur. Donc, il faut aller voir le Science Beer. Donc, on va aller voir le Science Beer pour voir ce qu'il va falloir farm la prochaine fois. Et clairement, on s'arrêtera là. On aura déjà un épisode qui va durer bien une bonne vingtaine de minutes, je pense, en enlevant les moments de farm. Donc, comment dire que ça sera déjà pas mal. Ah. Bah, attendez, je vais récupérer les jetons, faut pas déconner. Eh, bientôt. On va tarter ta tête. Hop. Voilà, allez, on récupère ça. Et on va passer au shop parce qu'on a quand même pas mal de honey, il a l'air de rien. Donc si on peut avoir 2-3 trucs de... en plus, on dira pas non. Hop. Allez, copains. Vous voyez, c'est là le distributeur de bouffe que je vous disais par rapport au club. Que je vous expliquais dans le dernier épisode, comment rejoindre le club, etc. C'est par rapport à ça. Du coup. Trop cher, ça, oui. Donc ça, c'est déjà équipé. Ah, donc vous voyez, je peux pas équiper tout en même temps. Fabriquer objet, ok. Je vais prendre ça. Ça va améliorer la capacité du truc. On peut quand fabriquer ça? Oh bah, fabriquer, écoutez. Là, c'est marqué trop cher. Ah, on a plus assez de graines de tournesol. Et là, on peut l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas équiper tous les éléments en même temps, vous avez vu. Donc là, il nous manque encore celui-là. Du coup, à terme, les bottes que je voudrais, évidemment. Et bah, la casquette, du coup. C'est ce qu'il faudrait qu'on ait comme élément, en vrai. Bon, bah écoutez, on verra ça la prochaine fois. Alors, on va grimper là-haut. On a encore pas mal de honey. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre une nouvelle abeille avant de se quitter.
Alors, coucou Madame Science B. Qu'est-ce que tu vas nous donner en échange? Ok, tu nous donnes du honey. On dit pas non. Alors, du coup, il faudra qu'on élimine un loup-garou, 10 coccinelles. Qu'on récupère ça. Ok. Eh ben, allez, on prend ça. Voilà. Donc, non, le distributeur d'œufs. Yes, on a assez. Hey, 23 abeilles, les amis. Donc, soit dans le prochain épisode, on arrive à avoir les 25, soit bah, ça sera dans un autre épisode. Et c'est pas encore très très grave, j'ai envie de vous dire. Je vais la poser, mais il faudra qu'on mette tout simplement une gelée royale dessus. Donc, on a eu une rare. Bon, d'avoir une basique. Bah, écoutez. Hein. Donc, en vrai, là, il faudrait qu'on ait une. On en a une. Deux en double. Trois. 4. On a 4 en double de ce que je compte. Donc il nous faudrait 4 gelées royales pour tenter de les transformer en autre abeille, histoire d'avoir que des abeilles différentes. Et tenter d'avoir une dernière légendaire, histoire de pouvoir tout simplement. Comment dire invoquer les pluies de jetons de miel. Et regardez, on est pim comme ça, hein, avec notre protection, notre petite banane au ventre, avec nos anciennes bottes et tout. Eh, on est pas mal, les amis, hein. Bon, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour un suivant. Et à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, les amis. Bye bye à tous.